Bonjour. Dans le cadre de mes engagements professionnels actuels, j'ai le plaisir de vous partager cette vidéo intitulée Le potentiel minier de Madagascar. En effet, on a toujours parlé des richesses du sous-sol malgache, mais sans en mesurer son importance. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous savons que le sous-sol est très riche, mais aussi nous en avons les preuves. Nous savons concrètement de quoi on parle. Nous pouvons ainsi nous dire qu'il est grand temps d'agir et de cesser les querelles fratricides qui ne servent pas la cause malgache. Mais évidemment, on ne peut pas tout faire, on ne peut être que complémentaire, que j'ai traduit du proverbe malgache Izetmaen Subika, Bamaeni Fatambari. Ce que je vous montre ici en vidéo n'est autre que l'équivalent du livret que j'ai réalisé suite à la conférence sur Saint-Denis-La Réunion en juin 2013 dernier. Nous avons publié le livret en septembre 2013 et il fait actuellement plus de 1800 téléchargements sur ma page web berengenasur.free.fr. J'ai coédité ce livret avec différentes associations dont Agir pour Madagascar, Accomplishment of Great Vision et l'association Jeunesse Madagascar France. Comme on le voit sur le plan, il y aura ainsi trois parties dans la présentation, dont quelques généralités. Ensuite, nous verrons un à un des gisements stratégiques en exploitation. Et en troisième partie, avant de conclure, je discuterai du comment pourrait-on faire profiter à la population malgache leurs mines. Par définition, les mines ne sont des gîtes renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface susceptibles de contenir des substances. Ces substances sont listées dans les codes miniers et on a principalement la houille, le lignite, les sels de sodium et de potassium, les sulfates, les hydrocarbures, le gaz carbonique et les métaux dont le fer, la bauxite, le cuivre, le plomb, le zinc, l'argent, l'or, etc. sont également considérés comme des mines, les gîtes géothermiques renfermées dans le sein de la Terre dont on peut extraire de l'énergie sous forme thermique, ainsi que d'autres gîtes contenant des substances ou matériaux non mentionnés précédemment, appelés aussi les carrières. Mais revenons à Madagascar. Peut-on dire que la géologie a favorisé la grande île? Il faut savoir que le potentiel minier d'une zone géographique dépend en partie de l'épaisseur et de l'âge de sa croûte continentale. Si la Terre fait 6000 km de rayon, sachant que Madagascar présente encore en croûte continentale une couche sous-jacente très ancienne de plus de 30 km d'épaisseur. La base de la croûte malgache se localiserait plus ou moins sous la Moho. Et pour avoir une idée de grandeur, prenons ainsi comme référence l'un des plus hauts sommets de Madagascar, le pic Bobi du mont Anjinch, situé au centre-sud de Madagascar, à l'est de Yushi pour ceux qui connaissent la route du sud de Madagascar. Le pic Bobi représente environ 3 km d'altitude. Autre référence possible, le bloc de marbre ci-dessus, à droite, sorti d'un Wat Phinanjan, qui équivaut environ en hauteur à la taille d'un homme, et ce bloc existerait ainsi sur plus de 30 km de profondeur. Il faut également savoir que tout ce qui se trouve actuellement en surface à Madagascar, notamment dans la partie sud de la grande île, sont des roches qui ont été enfouies à plus de 40 km de profondeur lors de leur cristallisation. J'appelle ici cristallisation le durcissement des roches par refroidissement. La figure A à gauche est ainsi une coupe simplifiée de la croûte continentale, représentée aussi par la partie orange de la figure précédente. Les tirés rouges représentent le niveau du sol que foule l'homme aujourd'hui au sud de Madagascar. La partie supérieure a ainsi été déjà érodée dans beaucoup d'endroits du sud de l'île. La figure B est une représentation en trois dimensions de l'image satellite de la région sud de Madagascar. On observe ainsi, à une dimension kilométrique, des zones alignées regroupées en paquets allongés. Petit rappel de géologie. Lorsque le vieux continent Gondwana a été déformé, Madagascar était placé en son centre. Et à 40 km de profondeur, les roches sont ductiles, c'est-à-dire en état intermédiaire entre l'état solide et l'état liquide. Ce paquetage allongé s'explique ainsi par le fait qu'à cette condition et à cet état, des zones plus fragiles
concentre les déformations du Gondwana. Ces zones sont scientifiquement appelées les zones de cisaillement. Et nous disposons actuellement des données scientifiques de ces conditions de pression et de température de cristallisation des roches, représentées ici dans les sections jaunes de la figure B. Ensuite, la photographie C représente une vue sur le terrain de ces paquetages allongés dans le sud de Madagascar. On observe des traits caractéristiques de ces zones de cisaillement, et l'un d'eux est la déformation à l'état ductile du guano rouge, appelé aussi pyrope, c'est-à-dire que c'est comme du chewing-gum qui s'étire durant sa cristallisation. La photo qui est dans le cercle bleu. Pour vous aider à vous retrouver dans mes explications, ceci est une représentation synthétique de la géologie de Madagascar. Madagascar fait environ en surface la métropole française plus la Belgique. Le socle cristallin magmatique est représenté ici en violet sur cette carte. Le volcanisme est en noir et le reste, les roches sédimentaires, sont en différentes couleurs. Comme on le constate sur la légende, toutes les sédimentations qu'a connues la Terre sont a priori visibles à Madagascar. Nous pourrions ainsi trouver, selon l'emplacement choisi, des minerais ou des hydrocarbures associés à chaque couche et événements géologiques existants. En effet, s'agissant plus particulièrement des hydrocarbures ou du pétrole, il importe de savoir que les roches sédimentaires sont propices à leur formation. Dans ce cadre d'analyse à Madagascar, on dispose actuellement d'atouts qui sont confirmés par des études. Par exemple, depuis le début de l'année 2000, une base de données de plus de 209 substances minières est disponible au service géologique malgache, soit au ministère des Mines de Madagascar. Ces substances sont identifiées à travers tout le territoire sur plus de 7016 points. Le système informatique actuel permet de rechercher plus facilement ces substances directement sur la carte. À titre d'exemple, sur cette même figure, le wolframite recherché s'affiche en bleu à la fois dans le tableau, c'est-à-dire la liste alphanumérique des données, mais aussi sur la carte. Mais à ce jour, cette base de données n'est pas exhaustive. Toujours pour nous donner un ordre d'idée sur la potentialité minière de Madagascar, ainsi que de la valeur de ses ressources, limitons-nous à l'exemple du quartz. La carte à gauche montre clairement que les 22 régions de Madagascar sont porteuses d'indices de quartz. Et observant que le quartz rose à l'état brut, figure de droite en haut, une fois sculpté en bas, gagne en qualité, donc en valeur. Et sachez qu'il en est ainsi de même de toutes les autres minéraux ou pierres existants à Madagascar. Cependant, ce que nous recensons aujourd'hui n'est pas définitif. Petit à petit, on découvre à Madagascar de nouveaux minéraux, comme ici à titre d'exemple la pézotaïte, découverte en 2004 par l'Italien Pesota, et récemment par des compagnies privées, un minéral inconnu sur la photo à gauche, qu'on pourrait classer parmi des métaux rares. Il faut savoir qu'on recense dans le monde entier environ 15 000 variétés de minéraux, et on les découvrirait tous à Madagascar. Cette figure est un extrait d'une publication dans le journal national dit Malaza du 15 novembre 2012 dernier. Elle présente quelques potentialités minières de Madagascar. À part l'or, l'uranium et le pétrole, 30 substances très connues sur le marché ont été isolées sur cette carte. Il y a la baryte en Darvakuir, ensuite en deuxième point des veines de cuivre ou quartz à Yarn, ensuite de l'ilménite sur les plages et d'une à Saint-Barbe, ensuite de la bauxite, c'est-à-dire un minerai d'aluminium à Marangaga, ensuite de la chromite à Mahakiri, du plomb à Besakai, de l'ilménite sur les plages en face de l'île Sainte-Marie, de la chromite à Djamin, de la chromite à Ranmin, du graphite à Mbalarunda, du fer nickel à Batvi, du graphite à Malvinch, de la lignite schiste bitumineux à Sambain, du fer à Fastsar, du nickel à Valjoun, du cuivre à Bessakou,
de l'île Ménite, de la Monazite et du Zircon sur les plages et dunes de Fort Dauphin, de la kaolin ulinite en Poutaka, du graphite manganèse grenat en Pagny, du fer à Betiouk Sud, du charbon à Sakou, du fer à Beksoupre, du béryl colombite à Pandjamaïk Malaklal, du cuivre en Batfaran, de la biotantale et des gemmes en Tirabéitas, de la bitume à Bimlang, du gypse en Kai, du fer à Soualal, du béryl le colombite à Bérir et de la bauxite à Nalavuri. Et qu'en est-il des recettes fiscales minières malgaches? Le Bureau du cadastre minier de Madagascar, le BCMM, est le seul organisme qui délivre actuellement les titres miniers à Madagascar. Comme on le voit sur la carte, en novembre 2009, la moitié de la surface de Madagascar est concernée par des permis miniers, titres confondus. La majorité de ces titres est officiellement de type PR en orange. Et qu'en est-il des recettes fiscales minières malgaches? Le Bureau du cadastre minier de Madagascar, le BCMM, est le seul organisme qui délivre actuellement les titres miniers. Comme on le voit sur la carte, des données du mois de novembre 2009, la moitié de la surface de Madagascar est concernée par des permis miniers, titres confondus. La majorité de ces titres est officiellement de type PR, permis de recherche, de couleur orange sur la carte. En principe, durant la transition, soit de 2009 à ce jour, aucun titre minier ne devait être délivré, et donc cette carte devrait être à jour. Et retenons bien ce graphique. Le calcul sur l'estimation des recettes est réalisé sur une base de redevance minière de 2% de la première vente des produits extraits. Le calcul ne tient pas compte des potentialités en hydrocarbures. Et lors de la conférence organisée à Paris par la Société géologique de France, SGF, en décembre 2011, il a été présenté que si les prévisions de recettes annuelles sont évaluées actuellement à moins de 50 millions de dollars, estimation pour l'année 2010, on devrait avoisiner les 150 millions de dollars avant 2020, toujours pour cette redevance minière de 2% de la première vente. Maintenant, nous allons voir dans cette deuxième partie de la présentation, un à un, quelques gisements stratégiques en exploitation. Donc voici pour le pétrole. Ma question est, qui profiteront des renouvellements des permis et titres pétroliers, soit les blocs pétroliers et de gaz? Attendu que, premièrement, il est écrit dans la législation malgache que c'est le président de la République qui octroie par décret les titres pétroliers. Deuxièmement, en sachant que l'agence américaine USGS annonce, dans un article publié sur le web, l'estimation moyenne de 10,75 billion barrels of oil dans la région, soit égale à 10,75 milliards de barils. Maintenant, commencez à prendre vos calculettes. Si un baril vaut environ 100 dollars, à vous de faire la multiplication. Et ceci sans compter les petits résultats de recherche que nous proposons, nous modestes chercheurs malgaches, comme sur cet exemple en haut à droite, où en avril 2013, j'ai proposé l'étude du complexe crétacé de Antirabé Sambaye. L'article a été repris dans le journal local La Croix Madagascar du 13 avril 2013. Pour préciser, vous voyez au centre de la figure une carte géologique de la région. Antirabé est dans l'ellipse rouge au sud de la carte et Sambaye est dans l'ellipse bleue au nord de la carte. De l'indice de bitume a été enregistré dans la région pendant la période coloniale, représentée ici par l'étoile noire à 10 km à l'est de Sambaye. Cet indice est marqué sur toutes les anciennes cartes datant d'avant 1960, également disponible dans les services géologiques de Madagascar. Ce point d'indice est localisé dans un complexe sédimentaire d'âge dit néogène, marqué par la lettre grand N sur la carte et portant la couleur marron. Ce même complexe est cependant identifié sur des hectares de surface, plus de 30 km de long sur 8 km de large, allant de Antirabé à Sambaye.
sauf que les couleurs ne sont pas les mêmes, bien qu'ils sont tous les deux marrons. Alors j'attire votre attention sur la définition du Néogène, qui est un âge géologique du Phanérozoïque, CF figure à gauche, mais qui a deux niveaux différents. Cependant, on remarque également sur la carte, et que j'ai aussi identifié sur les images satellites, qu'il existe dans cette région une grande faille de dimension kilométrique, allant jusqu'à plus de 30 km de long, que j'ai tracé ici en trait noir discontinu. On se pose ainsi la question sur la nature de cette faille. Les différents modèles de failles sont fournis sur la figure de droite. Bref, pour comprendre l'extension ou pas d'un probable gisement de bitume dans la région, il suffirait de demander à un élève de la classe de terminale de faire la cartographie géologique détaillée de la région avec une coupe géologique. Mais je rappelle encore une fois que, comme on le voit sur la figure de gauche, il y a deux niveaux en néogène, le Pliocène et la Miocène, N1 et N2. Lequel est le niveau supérieur, lequel est inférieur? En conclusion, s'il y en aurait aussi du pétrole ou de la bitume à Sambaen, ma question est, les Anapokloul, population de base dans cette région, vont-ils en profiter? Il faut aussi savoir sur ce sujet que Madagascar possède 988 000 km² de bassins sédimentaires, c'est-à-dire des régions potentielles pour générer des hydrocarbures, dont une grande partie en mer. 445 000 km² sont couverts par des travaux de recherche, soit 45% seulement. Les propriétaires des titres pétroliers sont affichés ici sur la figure. Le potentiel en hydrocarbures reste ainsi énorme, même si ces des recherches approfondies devraient être effectuées à Madagascar, ce qui n'empêche pas de s'interroger parallèlement sur l'atteinte à l'environnement. Concernant la recherche pétrolière, bien que le pays fût en crise politique et sociale majeure pendant plus de 5 ans, l'exploration du pétrole continue inexorablement son chemin. Plusieurs études géophysiques listées ci-dessous ont été ainsi réalisées de 2009 en 2012 de par les données fournies par l'OMNIS. Maintenant, passons au produit suivant, le nickel. Ces derniers temps, l'exploitation du nickel cobalt est d'actualité, mais sachez que 15 régions potentielles en nickel ont été identifiées à Madagascar, notamment à Mahabe, Makodouk, le Nickelville, à Mananar, à Ankir, à Lanzanine, à Valjour, à Mboudelav, à Mbouitsar, Manam, mais évidemment la plus connue de tous et qui est en phase d'exploitation est celle d'Ambatouvi, nord-est de la ville de Mouramang, à l'est de la capitale Antananarivo. Concernant les exploitations d'Ambatouvi, primo, sachant que l'entreprise Ambatouvi a publié qu'elle représente un investissement de 6,3 milliards de dollars, avec une production prévisionnelle de 60 000 tonnes de nickel raffiné, 5 600 tonnes de cobalt et 200 000 tonnes d'engrais de sulfate d'ammonium par an. Après calcul, prenez encore vos calculettes, on estimerait ainsi à plus de 125 millions de tonnes la production totale de minerais de cette entreprise, avec une teneur de 1,04% pour le nickel et de 0,1% pour le cobalt. Ceci avec une exploitation qui durerait 30 ans. Maintenant, et si les 100 kilos de nickel cash London sont estimés à 1157 euros et le LB de cobalt estimé à 9,81 euros, remettez-vous encore à vos calculettes. Ambatouvi devrait ainsi générer annuellement 694 200 000 euros pour le nickel et de environ 124 908 825 euros pour le cobalt. Et je dis bien annuellement. Sur 30 ans d'exploitation, nous devrions aboutir alors à un total approchant les 24 milliards 500 millions d'euros. Un autre minerai de valeur est le platinoïde. Oui, le platinoïde existe bel et bien à Madagascar, et comme on le voit sur cette carte, il est recensé à ce jour sur quatre régions.
à Ntsaabé, à Lavataf, à Nousbeanal et à Mboudelaf. À Mboudelaf, dont voici une photo d'exploration que j'ai récupérée sur le net, on estimerait la production jusqu'à 4 grammes par tonne, ce qui représenterait pour cette région une manne financière considérable lorsqu'on sait que la valeur sur le marché du platinoïde excède celle de l'or, à 1671 dollars l'once. À nouveau, mettez-vous sur vos calculettes. En estimant qu'un camion équivaut à 10 tonnes de minerai avec une teneur de 2,2 grammes par tonne, on pourrait ainsi estimer à 1671 dollars la valeur de production d'un camion de minerai. En sachant que le platine s'associe à d'autres substances telles que l'or, le nickel, le cuivre, etc., ces dernières peuvent aussi également être récupérées dans le camion. Enfin, si l'on suppose qu'on aboutisse qu'à 3 camions par semaine, la population locale nous dira combien de camions exactement il y en a. On estimerait alors uniquement pour le platinium une production minimum de 250 000 dollars l'année pour un bout de l'af. Maintenant, abordons le fer. Selon les connaissances actuelles à Madagascar, cette région présente un potentiel en fer. On les identifie sous trois types de gisements, dont deux très connus, le minerai de fer proprement dit, comme le cas de Soilala, un sujet d'actualité, et les cuirassiers greffiers à l'exemple celle identifiée dans la région de Béthiouk. Les autres endroits où il y aurait donc des indices de gisements de fer sont à Mahabé Bekuduga, au sud-est d'Ambatlampi, à Fassintsara, au nord-ouest de Mananzari, et à Big Soupa. Et voici un autre sujet qui peut fâcher, l'uranium et les terres rares. Plusieurs compagnies sont actuellement installées à Madagascar en vue d'explorer et d'exploiter l'uranium de la Grande Île. La localisation des zones de permis acquis est représentée par les polygones rouges sur la carte de gauche. L'analyse cartographique des données du BCMM de novembre 2009 montre en effet que les titres miniers en uranium couvrent 2,3% de la surface de Madagascar. La manne financière attendue serait ainsi considérable lorsqu'on connaît le prix de l'uranium, variable entre 80 dollars et 140 dollars le kilo, en prenant les exploitations au Niger et au Kazakhstan comme référence. Mais évidemment, il faut plus d'études. Et je regrette, au moment où je fais cette vidéo, je n'en ai pas plus. Par ailleurs, comme on le voit sur la carte de droite, des indices de terres rares ont également été découverts à Madagascar. Et dans la région d'Ambatfinandral, au centre de Madagascar, des chercheurs annoncent sur un site précis, à Nkazuambo, une potentialité pouvant aller jusqu'à 1 200 000 tonnes de minerai. Considérant ainsi le prix à 50 dollars le kilo de terres rares, on pourrait avancer une production à plus de 1 914 millions de dollars uniquement pour les terres rares d'Ankazouambo. Passons à un autre produit. 5 sites ont été identifiés comme potentiels en chromite à Madagascar. Parmi eux figure le plus connu et exploité depuis 1968, le gisement d'Andiamine. Mais il y a aussi à Béfandine, à Mandtsar, Lantongil et Ranmin. La production totale de la région d'Andriamine est officiellement estimée à plus de 150 000 tonnes par an. Ankastolan, un point du site Andriamine, produirait à lui seul jusqu'à plus de 4 millions de tonnes de minerai, la teneur en chrome étant estimée à environ 43%. Avec un cours de chrome de 1,85 euros le kilo, de façon très simplifiée, on estimerait ainsi à 3 182 millions d'euros la production pour Akastol. Passons au cuivre. Un géologue de renom malgache a établi en juillet 2011 que la région nord-ouest d'Ansalouv est aussi prometteuse en cuivre, notamment en malachite, la roche porteuse du cuivre, qu'on voit ici sous la figure 1. Et la région qu'il a étudiée s'étale sur une petite surface de 8 km². Dans cette région, la malachite,
localisée par les étoiles vertes sur la coupe sous figure 3, est associée à une roche volcanique du basalte fissural qui est représentée ici par les ensembles colorés en rouge, soit sur les sous-figures 2A et sous les figures aussi 3. En effet, en 1998, le docteur Rasluf Malan, dans le cadre de sa thèse, a précisé que lors de l'ouverture du canal de Mozambique, vers les 180 millions d'années avant Jésus-Christ, un volcanisme fissural s'est mis en place dans cette région. Et en comparant la région avec d'autres contextes mondiaux d'exploitation de cuivre, on a pu identifier que le gîte d'Antsalouva serait comparable à celui de Michigan aux États-Unis, exploité de 1844 en 1969, qui peut expliquer le phénomène décrit sur la figure 3, c'est-à-dire qu'un volcanisme se met en place pendant l'ouverture du canal de Mozambique. Ensuite, le cuivre circule avec les fluides pour s'accumuler avec d'autres éléments et composer la malachite. Pour ce qui est des quantités en jeu, supposons simplement que dans cette région, l'épaisseur moyenne des minerais soit de 4 mètres, soit on aurait un volume de minerais de 32 000 milliards de centimètres cubes uniquement pour la petite surface étudiée de 8 km². Si on évalue à 2,3 g par centimètre cube la masse de malachite, on estimerait ainsi à 73 600 000 tonnes le minerai qui en serait extrait de cette petite surface de 8 km². Il est connu sur le marché international qu'à partir d'une teneur de 0,4%, le minerai de malachite est commercialisable. Pour le cas d'Antsalouva, sa teneur est estimée à plus de 1%. Au total, on devrait ainsi extraire 736 000 tonnes de cuivre de la petite surface étudiée de 8 km², avec un prix moyen de 7 740 $ la tonne. On devrait ainsi générer plus de 5 500 millions de dollars uniquement pour la petite surface de 8 km². En se concentrant maintenant sur l'échelle de la carte, de la sous-figure 2A et 2B, on constate que la longueur du volcanisme fissural cartographié fait ici plus de 200 km pour une largeur de 30 km. Alors je vous invite à imaginer les volumes en cause. En ce qui concerne le charbon de Sakou, en mars 2009, il a été publié sur Internet un rapport de 83 pages dont je publie ici en sous-figure 1 et sous-figure 2 des extraits. Je dispose actuellement une copie intégrale du rapport. La sous-figure 1 représente la vue d'ensemble du projet sur une carte avec des illustrations. La sous-figure 2 est l'extrait de la page 10 du rapport qui représente que en 4 ans, une production annuelle de 5 millions de tonnes de charbon est prévisible. Ensuite, un rythme de croisière de 20 millions de tonnes seront adoptés. J'ai mis ici en sous-figure 3 la carte des affleurements de charbon dans les régions. Observez l'échelle. La surface fond en tout des centaines de kilomètres carrés, sans compter que les couches semblent être sub-verticales. Ensuite, j'ai mis en sous-figure 4 le prix du charbon qui est de 139,92 $ la tonne. Et donc, en finale, observez le calcul simplifié. Tout ceci en sachant que la sécheresse règne dans la région en question. Voyez la photo de l'état de l'enfant. Pour l'or, il faut savoir que l'indice d'or s'identifie un peu partout sur la grande île, notamment dans les régions centre et est de Madagascar. Plus précisément, je dispose actuellement de 2288 points d'indice d'or. On rappelle que le prix de l'or sur le marché varie de 41 € à 31 € le gramme. Trois zones potentielles sont représentées sur la carte et voici respectivement leur description. À une altitude allant jusqu'à plus de 1000 mètres, la région de Mananzar a toujours été connue par ses potentialités en or. Des rapports techniques datant
de 1910-1912 présente une production d'or estimée à 581 kg par an, pouvant aller jusqu'à une tonne. Avec un prix estimatif arrondi à 30 euros le gramme, on pourrait ainsi s'attendre à une production estimative de 18 millions d'euros par an pour la région de Mananzari. Un autre endroit connu à Madagascar comme potentiel en or est la région de Daboulav. Sur Daboulav, des études récentes sont disponibles au sein du ministère des Mines de Madagascar. Elles décrivent la région comme une Mountain of Gold. L'image de gauche présente la localisation exacte de cette Mountain of Gold, avec un fond d'image satellite que j'ai rajouté afin de préciser les reliefs. Par ailleurs, des communications récentes réalisées par des consultants de la Banque mondiale dans le secteur minier présentent pour la région de Daboulav une potentialité de 205 kg d'or récolté en 1910. Et plusieurs études récentes ont également été menées sur cette région, mais les données ne sont pas disponibles ni accessibles pour le grand public. Ainsi, en nous basant uniquement sur ces 205 kg l'année de 1910, on devrait ainsi s'attendre à plus de 6 150 000 euros la production d'or annuel à Daboulav. En 1912, le chercheur Levatt a identifié dans la région d'Ambanza, au nord de Madagascar, des indices d'or. Cependant, ces indications n'ont pas été reprises dans les cartes publiées dans les années 1950 ou plus tard. La région s'appelle Amboulamine, ce qui signifie en français là où il y a de l'or. La carte géologique de la région indique une présence importante de gabbro dans la région, mais on y trouve également des indices de quartzite. À ma connaissance, c'est qu'un gabbro serait de très vieilles roches d'âge archéen, connues aussi ailleurs à Madagascar comme porteuses d'or, comme à Maevatanan. Et on observerait aussi dans cette région de grandes failles kilométriques, mais aussi de potentielles zones de cisaillement. Souvenez-vous des généralités en introduction, les zones de cisaillement, c'est la zone où se seraient concentrées les déformations lors du mouvement du vieux continent Gondwana. Et ces zones sont favorables à des circulations de fluides minéralisés dans de l'or. Maintenant, parlons des corindons, c'est-à-dire des saphirs et des rubis. Pour pouvoir comprendre les contextes géologiques de la mise en place des corindons, des saphirs et des rubis au sein du Gondwana, dans le cadre de ma thèse soutenue en 2009, j'ai réalisé une reconstitution paléogéographique du supercontinent Gondwana que voici. Je dispose actuellement plus de 131 points d'indice de saphir et de rubis cartographiés sur le territoire de Madagascar, mais aussi d'une vingtaine de points sur l'Afrique et également sur l'Inde. Ces indices sont représentés sur la figure par des points rouges. Les zones de cisaillement sont représentées ici en traits noirs. On observe que les indices de saphir et de rubis se localisent ainsi principalement le long de ces zones de cisaillement. Cette technique permet également de comparer côte à côte les reliefs de chaque continent et par la suite comprendre les liens potentiels avec les minéralisations. Par exemple, on observe que les points d'indice de Corindon se localisent principalement partout en Afrique, à Madagascar et en Inde, aux environs de 600 mètres à 1000 mètres d'altitude. Mais aussi, tiennent compte, comme je l'ai dit précédemment, ils sont principalement le long des zones de cisaillement. Toujours dans le cadre de ma thèse de 2009, voici une coupe géologique synthétique réalisée dans la région d'Ihouci, Zazafouti. Nous avons décrit précédemment que toutes les roches qui se trouvent actuellement en surface au sud de Madagascar sont des roches qui se sont formées à plus de 40 km de profondeur dans un état ductile. Lors de leur cristallisation, les roches ont ainsi été affectées par les mouvements lors de la formation du Gondwana. Chaque roche réagit ainsi avec un comportement mécanique approprié et spécifique. On identifie ici de couleur rouge sur la coupe et de couleur marron sur la carte au niveau du point B les blocs de roches les plus durs, qu'on appelle aussi les plus compétents.
et en se déplaçant vers l'ouest, vers le point A, on rencontre la zone orangée, des roches plus fragiles, soit plus tendres. Ces dernières sont intercalées par les zones de cisaillement. Au sein de ces ensembles roses se trouvent également des zones grises et jaunes, d'autres unités géologiques plus dures. Ainsi, dans le sud de Madagascar, la minéralisation en corindon, soit donc de saphir ou de rubis, peut être identifiée sur quatre modèles mécaniques. Premièrement, soit les corindons se localisent dans les grandes zones de cisaillement majeur, représentées ici par l'étoile bleue sur la coupe. Soit ils sont dans les zones de cisaillement mineur, représentées ici par l'étoile verte. Soit ils se trouvent au niveau des charnières de plis, des ensembles gris, représentés par l'étoile rouge. Soit, enfin, on les identifie au niveau des zones de contact des ensembles plus résistants, en rouge, avec des ensembles plus tendres, en rose. En 2006, Madagascar a obtenu la première place pour la production mondiale de saphir. Actuellement, de nombreux chercheurs scientifiques du monde entier travaillent sur la géologie des saphirs et des rubis de Madagascar. J'ai représenté ici à gauche un extrait de la carte de localisation de l'étude du docteur Rakoub Sam Zanen. Mboundoumfé est une des zones qu'elle a étudiées. Cette région, située au nord de Madagascar, au sud-est du massif d'Ambre, qui est connue pour ses potentialités en saphir bleu étoilé, et l'exploitation y est encore artisanale. Enfin, parlons de la kimberlite, la roche porteuse de diamants. Les diamants, quelle que soit leur couleur et leur taille, n'arrivent pas en surface d'eux-mêmes. Ils sont incrustés dans des roches spécifiques qu'on appelle kimberlite ou lamproïte ou lamprophyre, exemple sur les photos. Les kimberlites ou lamproïte ou lamprophyre sont des roches comme tant d'autres, soit des granites, des basaltes gabbro, etc., mais qui sont caractérisées par deux points. Elle se trouve à l'état de magma liquide à plus de 200 km de profondeur et elle n'arrive à l'état solide en surface que par du volcanisme. Les types de volcanisme kimberlitique qui concerneraient le cas de Madagascar sont ceux liés à de grands événements tectoniques tels l'ouverture du canal de Mozambique ou l'ouverture de l'océan Indien. De tels mouvements tectoniques casse les croûtes continentales jusqu'à plus de 200 km de profondeur et donc peuvent éventuellement faire remonter en surface les magmas kimberlitiques, éventuellement donc avec les diamants. En effet, si la remontée kimberlitique croise les zones à diamants, on aurait ainsi la possibilité d'avoir du diamant en surface. Les pipes kimberlitiques de type lamproïte peuvent aussi avoir plusieurs racines, ce qui ferait augmenter les chances d'avoir les diamants en surface. Mais y a-t-il du diamant à Madagascar? Bref, ce que je peux dire, c'est que, bien qu'on en parle peu, voire certains dirigeants disent le contraire, la prospection du diamant a toujours existé officiellement à Madagascar. Certaines compagnies affirment même avoir découvert du diamant sur la Grande Île, à l'exemple de la société Pan-African Mining sur le plateau d'Ourumbé, comme on le voit sur cette figure. Mais le BRGM, Bureau de recherche géologique et minière de France, serait aussi en prospection du diamant dans plusieurs régions de la Grande Île. Dans le cadre de ma thèse soutenue en 2009, j'ai identifié des ressemblances géométriques entre les gisements de kimberlite diamantifère identifiés en Mozambique, figure de gauche, qui est une carte des dikes en Mozambique, et certaines structures géologiques à Madagascar. De par les différentes analyses des données géophysiques, des images satellites et des cartes, des régions potentielles en kimberlite ont été identifiées au sud de Madagascar, sur le plateau de Yourumbé, à Nkarmbélou et à Midungi Sud, et dans le nord également, à Antsakabari. Des zones numérotées 4 et 5 sur la figure de gauche de Mozambique coïncident dans leur prolongement
avec les zones identifiées comme potentielles à Madagascar, la figure de droite. Sur la figure de droite, les couleurs correspondent aux différents ensembles géologiques. CIF confère pour les détails, Mathèse en 2009. Les zones de cisaillement sont en rouge et les dikes en filon kimberlitique sont en très fin bleu. Sur le plateau de l'Iourumbe, pour comprendre les probables pipes kimberlitiques à Satchkala, observons les premières figures ci-haut. Au Lesotho, ou grâce à l'analyse des images aéromagnétiques, en haut à gauche, un pipe kimberlitique a été identifié. Photo du site en haut à droite. Le gîte a été anciennement exploité en méthode artisanale. Le pipe ressemble singulièrement à tout son entourage. À Madagascar, grâce aux analyses d'images disponibles sur le plateau d'Iourumbe, un fort signal aéromagnétique est également identifié sur Satchkala, en forme arrondie rouge au milieu de la figure de droite. Ce signal coïncide avec une géomorphologie d'ancienne caldeira, identifiée sur la carte topographique de gauche. De plus, on observe sur le plateau de Tsatkal de petits lacs isolés dans un environnement sableux. Il est important de remarquer qu'en Afrique du Sud, du basalte peut être identifié en bordure de cratères de pipe kimberlitique. Couvert de sédiments, on pourrait ne pas reconnaître visuellement la kimberlite. Plus récemment, j'ai observé des cartes et des images satellites de la forêt à l'est de Madagascar, région Nousfark. Et les observations détaillées de ces images, couplées des données géophysiques disponibles, m'ont permis d'identifier Tiazumbwalav comme une zone qui serait aussi potentielle en kimberlite. Les observations de la carte montrent une structure d'accumulation d'eau. Une vue rapprochée du sol sur image satellite de Google présente des points noirs entourés de taches plus claires. Seraient-ce des altérations de roches potentiellement volcaniques, kimberlitiques? Une autre zone qui pour moi serait aussi potentielle en kimberlite est la région d'Ambatfinandjar. Dans cette région, des indices de roches dites kersantites ont été signalés sur les cartes géologiques disponibles, et je les ai représentés ici par des points rouges. Or, par définition, une kersantite est une variété de lamprophyre. Et pour rappel, lamproïte égale lamprophyre égale kimberlite. Souvenez-vous, le volcanisme a plusieurs racines, le plus à droite sur le diapo 34 précédemment. Et nous arrivons à la troisième partie sur la question: comment pourrait-on faire profiter leurs mines à la population malgache? Il s'agit d'une part de donner à tous les Malgaches sur le territoire de Madagascar et partout dans le monde entier une possibilité d'accès direct à une structure commerciale équitable internationale pour la vente des substances minières de leur région d'origine respective. Avec le programme GEMS-MADA, Geomatic Engineering and Mining Services, nous allons mettre en place sur Internet le premier comptoir en ligne pour la vente directe des ressources minérales de la Grande Île. Et encore une fois, je le précise, dans un esprit équitable et solidaire. En effet, depuis 2008, j'ai réfléchi sur le sujet et je suis actuellement sur le point de mettre en place, avec des partenaires et associés internationaux, les différentes structures autour de GEMS-MADA, comme on le voit sur cette figure, dont les activités ont tous comme but offrir 40% de chaque prix de vente des produits à la population de base, la population dite aussi Zanpukulul. D'autre part, pour les grands investissements, la création d'une structure nationale destinée à affiner les données géologiques disponibles sur l'ensemble du territoire est nécessaire. Une structure qui réalisera
des travaux d'expertise. Les études financées par la Banque mondiale, réalisées jusqu'ici dans le cadre de différents projets miniers, dont à l'exemple dernièrement le PGRM, projet de gouvernance des ressources minérales, sont disponibles. Mais, à mon humble avis, ces données ne sont pas suffisantes pour décider si oui ou non l'exploitation serait rentable. En effet, à Madagascar, la précision des données est limitée. Comparée par exemple aux données disponibles sur la France, gérées par le BRGM, où les données sont disponibles à toutes les échelles. La nouvelle structure d'expertise Génie Engineering de James Mada servira ainsi à mener des recherches détaillées et précises sur des surfaces géologiques de 10 à 25 km² de chaque. La commercialisation des rapports techniques, guides géologiques de grande échelle, constituera une première recette non négligeable pour donner une certaine autonomie à cette structure d'entreprise. Je note que j'ai actuellement fini la rédaction du business plan du projet et nous sommes en phase de négociation avec les potentiels partenaires financiers, qui, s'il y a accord, détiendront 40% d'actions au sein de James Mada. La deuxième proposition que nous allons apporter est la mise en place de l'association ASUM, Artisans Sculpteurs Solidaires et Unitaires de Madagascar, en France et sur tout le territoire de Madagascar. Elle permettrait d'une part d'informer les Malgaches sur la valeur de leurs ressources géologiques et minières. Souvenez-vous du prix de cet objet sculpté avec du quartz rose. Et d'autre part, l'association va aussi former les jeunes Malgaches à l'art de la sculpture professionnelle de la pierre. Elle travaillera en partenariat avec plusieurs structures existantes déjà sur place dans chaque région. En termes de matières premières, souvenez-vous aussi, je vous ai dit en introduction, que toutes les pierres qui existent dans le monde se trouvent également à Madagascar, et même on en a plus. Pour conclusion, les richesses du sous-sol malgache ne sont pas toutes exploitées à ce jour. Et certaines zones, sans doute riches en minerais, font encore l'objet de litiges. Et déjà, si l'on compare les recettes actuellement générées par les mines malgaches, comme on voit sur le tableau, ici, voyez bien le tableau, on peut constater qu'elles devraient couvrir largement les besoins budgétaires du pays dans le tableau ci-dessous. Or, hélas, Madagascar figure parmi les pays les plus pauvres du monde, avec son SMIC qui avoisine les 23 euros par mois. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour la suite. On ne peut pas tout faire, on ne peut être que complémentaire. À bientôt.